2016. Je voudrais te dire une chose, que Dieu t'aime. Dieu t'aime et il voudrait qu'à chaque fois qu'il dira un mot pour toi, tu diras amen. Amen. Alléluia. Soroza opportuniste, tu comprends le message, si ce message a été adressé, tu dis amen. Donc tu le reçois. Ou tu peux dire je le reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons prié, nous avons loué, nous avons adoré. Il est maintenant temps que nous écoutions la parole de Dieu. Cette parole t'est adressée. C'est le premier jour du mois de janvier. Et le premier jour du mois de janvier, le premier janvier 2016. En tant que père, par l'onction qu'il m'a donner, de proclamer une nouvelle année, de dire de bonnes choses à mes enfants, de guérir et de chasser les démons. Ce sont les prérogatives que l'Éternel m'a conférées. Alors je m'établis devant vous en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, d'homme de Dieu, un béni de Dieu, un élu de Dieu, pour transférer le message que l'Éternel m'a donné pour vous. Alléluia. Je vais moi aussi profiter de ces messages. Parce que ces messages-là nous est tous adressés. Alléluia. Mais la première des choses que l'Éternel nous demande, il nous demande tout d'abord de nous humilier. Si autrefois, en 2015, nous nous considérions, alléluia, supérieurs, comme ma fille vient de le dire ici, que des fois, on se considère, on est supérieur à l'autre. Or, nous sommes que vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a rien même qui est supérieur à un autre. Tu ne peux même pas te comparer à un autre, parce que toi, tu as ta vie, l'autre aussi, il a sa vie. Te comparer à l'autre, c'est là où tu penses que tu es supérieur à l'autre là. Ce que lui le fait, peut-être toi tu ne peux pas le faire. Alléluia. À chacun sa capacité. À chacun ses dons. À chacun sa chance. À chacun aussi ses bénédictions. Mais la bénédiction de Dieu nous est tous adressée. Il y a une grande différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Alléluia. Et Dieu nous le dit. Vous verrez parmi vous, il y aura une grande différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Parce que vous, vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple mis à part. Vous êtes un peuple spécial. Parce que vous êtes mon peuple. Et moi, je suis votre père. Alléluia. Amen. Vous êtes des fils et des filles du roi des rois. Amen. Vous êtes des héritiers et des héritières du roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. C'est les enseignements que nous avons reçus en 2015. J'espère et je pense aujourd'hui que les enfants de Bin de Bethel sont aujourd'hui affermis et ils ont compris aussi qu'il y a certaines choses qui ne se fait que par la foi, en écoutant la parole, et tu crois et tu appliques ce que tu as écouté, et cela se produit, des choses invisibles deviennent visibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te recommande aujourd'hui, en ce 1er janvier 2016, de t'humilier devant lui.
Si tu veux réussir, commencez tout d'abord à changer maintenant ton attitude. Maintenant, les enfants, je serai obéissant. Je vais écouter les parents. Je ne vais plus me quereller avec ma petite soeur, mon frère. Je vais écouter, je vais être gentil. Je vais changer mon attitude parce que je veux que Dieu fasse quelque chose pour moi durant et pendant cette année 2016. Dieu te demande de t'humilier. Alléluia. Ne crie plus. N'insulte plus. Ne te fâche plus. Écoute la volonté de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Dieu te guidera pour réussir dans tout ce que tu feras. Alléluia. Et Dieu te dit, si tu t'humilies devant moi, je te comblerai des bénédictions en cette année 2016. Alléluia. Ce qui omi qui dit si liboso nanga na coupé sa yo ba bénédiction nyo soto oyoyo olingi nambula oyo 2016. Alléluia. On s'humilie, on se fait petit devant une autorité. Yamokili. Bon, Suko Nzambe, Dieu maintenant celui qui est le chef suprême. Le roi des rois. Pourquoi ne pas s'humilier pour le roi des rois que pour les hommes? Alléluia. On avait appris c'était le mercredi dernier, nous avons parlé de David et Goliath. Alléluia. Parce que nous traversons, nous allons entrer en 2016. Donc, tous nos Goliaths devaient être abattus. Pour qu'on rentre en 2016 sans concurrent. Alléluia. Sans adversaire, sans ennemi, sans maladie, sans envoûtement, sans malédiction. Tout cela est resté en 2015. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, ton Dieu te dit maintenant, puisque tu as vaincu Goliath, maintenant il te dit de ne pas t'enorgueillir. Alléluia. Puisque je viens d'avoir, je parle à mon fils, puisque je viens d'avoir un travail, maintenant, je me vois maintenant suffisant. Ça me suffit. Alléluia. Amen. Donc, non, j'ai mon travail, je serai bien payé. Je vais subvenir à mes besoins. Je vais plus écouter les gens parce que j'aurai une voiture, j'aurai tout. Voilà comment Satan fait les choses. Tu comprends? On est le 1er janvier. Satan viendra pour te dire, ah, mais tiens, un bon travail. Hein? Oh, tu es apprécié ce que tu fais là. Mais c'est bien. Mais écoute, l'église là, c'est plus la peine. Mais tu as l'argent, tu as tout. Pourquoi tu iras encore à l'église? Alors toi aussi, il te met la fatigue. Il te met la fatigue, tu ne vas plus à l'église. Et non. Et après, maintenant, tu dis, bon, je vais faire un tour avec voir les copains. Les copains, ils t'amènent où? Dans un café. Et le café, une petite bière. Et tout ça, et les nanas. Et tout ça, tu commences maintenant à ramener des problèmes dans ta maison. Alléluia. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu dois dire, ah, je suis un enfant de Dieu. Il y a le bien et le mal. Je dois choisir. Je dois m'humilier. Je dois me faire petit. Là où les autres pensent qu'ils sont grands. Mais moi, je me fais petit parce que ce n'est pas la peine. Alléluia. Toute l'année, je l'ai dit. Il y a de ces gens qui pensent que non. Ah, papa, tu pries. Ah, Azayuma. Alléluia. Azayuma. Ça, c'est vulgairement comme on dit. Donc, c'est un faible. Là, c'est un faible parce qu'il prie. Non. J'ai compris la vie. J'ai dit non. Ce n'est pas la peine ce que vous faites là. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. On a tous été dans les gandas, on a tous été. Tout ce que vous faites là, moi aussi je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je vois aucun intérêt. Comme dira Paul, tout ce que j'ai fait, tout ce que je faisais avant, je le considère comme une perte. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que je fais maintenant, je le considère comme un gain. Amen. Parce que je cours pour avoir la couronne. Alléluia. Donc, tu devras courir pour maintenant avoir la couronne. Alléluia. Amen.
Puisque tu es avec Dieu, mon fils, je vais te dire, maman Marie-France, puisque tu n'as pas voulu témoigner, mais je parle de toi. Vous êtes dans les deux cas, oh, nous avons bien sali, la même chose. Alléluia. Ton cas et son cas, c'est pareil. Alléluia. J'ai dit bien, c'est pareil. Tu vas dans un groupe de gens à trembler. Alléluia. Akosuka mabele lo. Ya kotiao. Ici, c'est le béni de Bethel. Alléluia. Donc, tu vas quelque part où il y a 100 personnes, des candidats. Mais on dit, non, ton heure est arrivée. Alléluia. Parce qu'on venait de voir cet enseignement-là, mon heure est arrivée. Là où je serai, on verra que moi, on ne verra pas les autres. C'est comme ça que ça s'est fait. Alléluia. Tu vas chercher un travail pour un autre qualificatif. Au sortir de ces travails, on te bombarde chef. Oh, par quel miracle, je deviens chef. Alléluia. Tu es venu pour autre chose, hein? Mais on te dit, mais tu es chef. C'est toi le chef. Tu es chef ici. Voilà comment Dieu fait les choses. Ce n'est pas par nous, mais c'est par sa force. Alléluia. Donc, tout ce que nous recevons, d'ailleurs, nous allons le comprendre là. Je l'ai dit, par rapport à ce qui s'est passé, vos deux témoignages, donc, va aussi dans la direction de notre prêche de cette veillée. Alléluia. Alors, le thème de ce soir, humilie-toi devant l'Éternel, ton Dieu. Il te comblera des bénédictions en cette année 2016. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prendre nos versets. Vous allez écrire. Humilie-toi devant l'Éternel, ton Dieu. Il te comblera des bénédictions en cette année 2016. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent te provoquer. Peuvent te frotter même. Tu dis non. Merci. Pardon. Tu t'en vas. Alléluia. Tu t'en vas comme si rien n'était. Ah, toi tu es humain, tu es faible. Oui, je suis faible. Mais tu traverses, tu t'en vas parce que tu n'en as pas besoin. Alléluia. Alléluia. Proverbe 10, 20 à 21. Aujourd'hui, nous sommes dans les Proverbes 10, 20 à 21. Deutéronome 8, 17 à 18. Deutéronome 8, 17 à 18. Et Samuel 2, 7 à 8. Et nous allons maintenant prendre des petits versets. Psaume 37, verset 22. Psaume 107, verset 38. Psaume 113, verset 7 à 8. Genèse 24, verset 35. Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 13. Donc, Genèse 26, 12 à 13. Hein? Maintenant, c'est pareil. Deutéronome 26, 10. Encore une fois, Deutéronome 28, verset 11. Nous tombons sur 2 Chroniques 25, verset 9.
2 Chroniques 25, verset 9. Proverbe 8, verset 21. Proverbe 14, verset 24. On a reçu qui ça, tout ce qui est le sous Deutéronome 8, 19 à 20. Alléluia. Je vous aime. Alléluia. Le dernier, papa. Deutéronome 8, 19 à 20. Je vous aime. Amen. Nous aussi. Ah, comment on a commis? Ah, vraiment. Je vous aime. Na 2016, je fais ça pour le sanga bolingo quoi. Amen. Maman. Ah, quand elle est rabino. Ah, gaïe. Moi, je vous aime. Naza fanatique nabino, naza amoureux nabino. Alléluia. Après, nous allons parler, après la prédication, nous allons parler des orientations pour l'année 2016. Donc, nous allons parler de la fidélité et le respect, l'amour et l'humilité. Nouvelle salle pour la sérénité. Que le Dieu de toute la surface de la terre nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Humilie-toi devant l'Éternel, ton Dieu. Il te comblera de bénédictions en cette année 2016. Maman Hortense Yoka bien. Je commence tout d'abord par Proverbe. Écoutez, suivez-moi bien. Hein? Proverbe 10, 20 à 21. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres des justes dirigent beaucoup d'hommes. Et les insensés meurent par défaut de raison. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Est-ce que vous devez comprendre une chose? Pourquoi Dieu commence tout d'abord à parler du juste? Il voudrait que tu deviennes juste pour qu'il te bénisse. Quand il te bénira en tant que juste, dis-toi, tu n'auras jamais de chagrin. Quand tu deviendras juste, tout à l'heure j'ai dit aux enfants, même à nous-mêmes, en cette année, que nous changeons d'attitude. Si autrefois nous étions des méchants, maintenant changeons de côté. Prenons maintenant le côté d'être bon et de devenir juste. Alléluia. Si nous sommes, quand nous serons justes, c'est alors que Dieu nous bénira. Et il nous dira, ma bénédiction, je ne la fais suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Alléluia. Amen. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Nous sommes là en 2016. Nous avons besoin d'être bénis par un papa. Alléluia. Amen. Et moi, toute l'année 2015, j'ai toujours dit que je suis juste. Alléluia. Amen. Je dis, je suis juste. Je ne dis pas que je suis parfait. Mais je dis, je suis juste. Je ne suis pas parfait. Si je deviens parfait, donc je suis comme Jésus. Amen. Il n'y a qu'un seul parfait qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu peux être juste. Parce que quand il y a un choix à faire entre le bien et le mal, si tu choisis le bien, donc tu es juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous devons nous conduire. Devenir tout d'abord juste. Alléluia. En disant cela, parce que quand je dis toute l'année, nous avons été combattus, nous avons subi ceci, c'est cela, mais nous avons gardé l'aspect d'être, de se dire, tant bien que mal, quoi qu'il en soit,
je resterai toujours juste. Et j'aurai toujours une considération par rapport à ce que Dieu me dit de faire. Je ne changerai pas. Je ne deviendrai pas non plus méchant. Alléluia. Parce que le méchant est là. Il sait bien que tu es juste. Mais le méchant te couvrira de l'opprobre. Il viendra, il parlera des choses, la médisance sur toi. Il t'insultera. Il te dira des choses pour que toi aussi tu deviennes un méchant. Alléluia. Dès lors que tu deviens méchant, ta bénédiction, la grâce que tu as, part. Est-ce que vous comprenez cette chose-là? Dès lors, parce que Dieu, nous avons appris cela, Dieu nous dit, même l'insulte ne répond pas par une insulte. Quelqu'un t'a insulté, toi non plus, ne l'insulte pas. Est-ce qu'on commence à comprendre? Quelqu'un t'insulte, toi tu le regardes, tu dis, bon c'est bien, je suis comme ça, tu as pensé comme ça, bon c'est bon. Alléluia. Tu as pensé que je suis bête, oui je suis bête, parce que c'est toi qui l'ai dit, mais moi je ne suis pas bête. C'est tout. Mais ne l'insulte pas. Ne réponds pas par une insulte. Tu es bête. Toi aussi, tu es bête. Ah non. Vous deux, vous êtes pareils. Vous êtes tous des méchants. Alléluia. Amen. Non, vous êtes pareils. Il n'y a pas un juste parmi vous. Vous, tous les deux, vous êtes des méchants. Alléluia. On peut aussi dire autrement. Ne réponds pas le mal par le mal. Alléluia. Quelqu'un te cause du tort. Il te fait mal. Mais tu le regardes comme ça, tu dis, ah, ce qu'il fait là, il me pousse à faire comme lui. Bien que je vais perdre, mais ce n'est pas grave. Dieu, sois mon juge. Tu es le juste juge, alors défends ma cause. Alléluia. Tu t'humilies devant une personne qui pense être plus grand que toi, plus fort que toi. Il te prive peut-être des choses que ce qui pouvait arranger ta vie. Mais tu regardes en face son comportement, tu dis non, je ne répondrai pas comme lui le fait. Alors j'attendrai mon temps. Alléluia. Tu vas souffrir. Oui, mais ne réponds pas par le mal. Le Bakara Nzambe, dis seulement à ton Dieu, tu es là. Tu es mon Dieu. Tu n'abandonnes ni ne délaisses tes enfants. Les méchants ont leur part dans ta demeure, les méchants. Les justes aussi ont leur part. Alors je voudrais avoir la part des justes que d'avoir la part des méchants. Alléluia. Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ce qu'il veut, il veut te dire, ne t'enorgueille pas de dire que si j'ai trouvé du travail, c'est de moi-même. Alléluia. Si aujourd'hui j'ai beaucoup d'argent, c'est de moi-même. Là, Dieu te les a donnés. Alléluia. Amen. Dieu te les a donnés. Mais il ne te les a pas donnés pour que tu penses tout ce que tu reçois ne vient que de toi. Mais lui, il est là pour te pousser d'avoir, par rapport à quelque chose qui trouve des biens dans toi. Il te donne. Mais il y aura un jour, tu entendras cette parole, alléluia, amen, qui te dira, ah, moi je croyais que même l'argent que j'ai, je l'ai reçu parce que j'ai été à l'école, j'ai fait ceci. Non, c'est Dieu qui a permis que je me retrouve dans cette situation. Maintenant, je vais glorifier ces dieux-là. Alléluia, pour que tu changes. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Amen. Il te fait alliance aujourd'hui. Il dit, j'ai fait alliance avec toi aujourd'hui, le 1er janvier 2016. Je te bénirai. Amen. Alléluia. Amen. En 2016.
16, moi je te bénis. Amen. Alléluia. Amen. Il fait des choses. Il fera des choses pour que tu viennes témoigner. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Comme mon fils vient de faire. Alléluia. C'est ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il fait des choses pour confirmer que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma volonté, mais c'est par la volonté de Dieu. Si tu le fais, tu vas encourager aussi les autres de croire aussi que Dieu aussi est en train de faire. Alléluia. Mais si tu ne le fais pas, comment l'autre saura que Dieu agit encore? Si tu ne le fais pas, comment veux-tu que Dieu te donne encore plus? Alléluia. Parce que la première fois que je t'ai donné, tu les as cachés. Tu ne veux pas dire que c'est moi qui t'ai donné. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas témoigner. Tu dis que non, c'est toi-même. Non. Dieu te dit, témoigne. Tu confirmeras que ce que je te donne, ça vient de moi. Alléluia. Amen. Samuel 2, 7 à 8. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Amen. Il faut le comprendre. Alléluia. Pourquoi? Quand nous voyons le verset de Deutéronome 8, il te dit de ne pas dire que c'est toi-même. Il te dit de dire que c'est moi. C'est toi l'Éternel qui m'a donné toutes ces choses. Quand du moment où tu commences à te dire, oh non, c'est pas ma force, c'est par rapport à moi-même, à mon intelligence, alors là il dira, tu ne vaux pas la peine. Je vais te le récupérer. Afin que tu comprennes que tout ce que tu as fait ne venait pas de toi, mais venait de moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il nous le dit. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu le fait que tu sois un indigent, tu sois un pauvre? Du jour au lendemain, l'Éternel te fait asseoir à côté des grands de ces mondes. Alléluia. Amen. Je vous avais dit en 2015, une fois j'étais à Washington, j'étais aux États-Unis, je me suis retrouvé à un endroit où je voyais des grandes personnalités de ce monde. Alors je me suis dit, mais qui suis-je? Comment je fais pour en arriver là? Alléluia. Comment je fais? Je me suis posé la question. Namitali na se, namitali ni kolo, natali na gauche, natali na droite. Nami, mais comment? Nasali ndenge nini, nakoma awa. Alors, nakata mote maranga, là où j'étais, et ils étaient là en train de parler, on était en train de parler, mais dans mon cœur, je disais, ah grand, ah, Dieu, tu es grand. Franchement, Dieu, tu es grand. Ah, vraiment, tu es grand. Nandimi, on peut nous en taper. J'ai glorifié mon Dieu. Parce que ces personnes-là, vous les voyez à la télé. Vous les voyez à la télé. Ce sont des gens intouchables. C'est ce qu'on appelle des gens les plus puissants du monde. Alléluia. Les décideurs de ce monde. Mais ngai un indigent. Ngai un pauvre. Ngai mutupamba. Matricule est 00. Mais comment j'ai fait pour arriver? Il y a comment à Motouana sur l'obiga à l'élo, Tolingi Afghanistan, et Koufi, et KIP. Mais Yosuko Soulanaï. Et Rosulana Moutamo, tu parles avec cette personne comme si vous voyez Banakala. Le coup de ça, il y a Bakayokala. Il te parle avec beaucoup de respect. Il te parle, non, ah, monsieur Kobongé, tu peux t'asseoir. Vraiment, est-ce que, vraiment, tu dis, non, tu sais, le voyage, deux autres, la moutamo, dans le milieu. Il y a caca. Moutamo, banana, moutamo, il y a le caca. Alléluia, je suis sorti de là, j'ai dit, non, tout le monde a dit, de la poussière,
akotombo la yo likolo. Na kati ya fulu, balabi na fumier, na kati ya fulu, akofandi sayo na kati ya bakonzi. Alléluia. Quand Dieu commence à te faire voir le degré, la grandeur, il y a et si comme un ramotou, sur le talin à ciment, on le dit, ah, n'est-ce pas, il faut qu'on commence à le col à bango. Non, mais qui est-ce que c'est? Alléluia. Bamona kayo, moutou, pamba. Amen. Alléluia. Mikiti sa sikoyo parce que a matisio na niveau wana. Pona omona esika nini akomi sakabatu. Mais yota okomi wana. Yeba ke okomi na pambati. Okomi parce que yem talinga ki akomi sayo ti na niveau wana. Mais akomi si wana te, akomi si yote mokenze mokilio. Non, mona. Soki olandinga, tana nenge pena ko okomi sayo. Alléluia. Si tu vas selon ma volonté, voici là où je pourrais aussi te propulser pour devenir comme ces gens-là. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut tous avoir humilité. 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 Oh, nous avons besoin de ça. Comme il dit ça. Comme il m'a dit papa. Devant Moutou. Alléluia. Mm. Alléluia. Amen. C'est ça de choses qui sont écrites et Dieu aussi les manifeste aussi na kati ba vie na biso. Pona nini on dit mi que na tambo la ye selon ndenge ya zoloba et non selon ce que les gens disent de toi. Les gens pourront te critiquer, les gens pourront dire des choses sur toi, mais Dieu ne pense pas comme ça de toi. Dieu a un projet merveilleux pour toi. Amen. Et toi, tu devras écouter la voix de Dieu et non la voix des hommes. Amen. Et tu progresseras. Et tu verras de toi-même que nous sommes au Simba, nous sommes au Linga, nous avons nos pouces, nous avons l'action, c'est facile. Tu es mon fils, je peux te le donner. Amen. Alléluia. Amen. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Est-ce que vous comprenez les Kamboy? Mm-hmm. La terre, Zambé. Et ça, la colonne, on Zambé a posé à Mokili. Mm. Alléluia. Amen. Yem t'a posé à Mokili. De ce que l'on a fait de ça, l'icône à Mokili, au fin de l'icône, il y a Mokili. Il veut tout simplement te dire, il peut t'élever jusqu'à ce que comme il a élevé Abraham, comme il a élevé Noé, comme il a élevé Jésus, il peut aussi t'élever de la même manière que tu deviens le chef de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a mon taposé à vous. Alléluia. Alléluia, bien dit. Amen. Vraiment. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Amen. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Quand tu veux faire quelque chose par la force, dis-toi que tu ne pourras pas triompher. Quand tu veux te comporter comme un méchant, dis-toi que tu ne pourras jamais triompher. Car Dieu donne une part aux méchants et une part aussi aux justes. La part des méchants, c'est quoi? C'est la géhenne. Tu vois ce que tu as dit, non? Et si tu as un moto qui t'a raté, Alléluia. Tu peux être en vie, mais au salabatoumabé, donc, vin na yo kozo koufa mozo koufate. Mokola liwa na yoko, ozo koufa mozo koufate. Babi ya sa koufaki, mozo koufate. Oto deblanche ba singa, balokoli ba singa, mozo koufa kaka te. Ozo souffrir jusqu'à ce qu'on comprenne que non, na salaka ma bena mokilio yo. Dieu m'a refusé. Tu devras souffrir pour comprendre que là où tu vas, tu trouveras celui qui est le maître de l'univers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 37, verset 22.
Car ce que bénit l'Éternel pousse, possède le pays, plutôt. Alléluia, je reprends. Psaume 37, verset 22. Car ce que bénit l'Éternel possède le pays. Et ce qu'ils m'ont dit sont retranchés. Alléluia. Amen. Si Dieu te bénit, il te donne en possession la France. Amen. Si Dieu te bénit, il te donne la possession du Congo. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te bénit, oponi mokilimo no fada. Ozana mutu pamba, mais ba kenzamba benirio. Namboka wana Dieu va t'élever, va te faire asseoir avec les grands et tu deviendras grand parmi les grands dans ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut parler de Joseph. Alléluia. Amen. On peut parler de Joseph. On peut parler encore de qui? De Daniel. On peut parler encore de qui? De Jephté. On peut parler encore de qui? De Mardoché. On peut parler encore de qui? D'Esther. On peut parler encore de qui encore? Alléluia. De qui encore? De Salomon. Alléluia. Ce sont des gens que Dieu a fait élever par sa volonté. Mais ce n'étaient pas les gens de ce pays-là. C'était des gens mal considérés. C'est des gens qu'on a rejetés. Mais Dieu les a élevés. Alléluia. Tu n'es pas différent de ces gens-là. Dieu aussi peut changer ta vie tout de suite. Amen. Et de lendemain, tu sors d'ici et tu vois un coup de fil. Tu entends un coup de fil. On est en train de te chercher ici. On a fait un loto et par là. Et la somme là de 5 milliards d'euros est tombée sur vous. Venez ici. Alléluia. Et tu changes de vie. Tout est possible à celui qui croit. Il faut croire en Dieu. Amen. Je ne veux pas de cette vie. Tu as dit de la pauvreté, tu me relèves pour devenir riche. Il faut le prendre au mot. Ce que tu entends, c'est ce que tu vas lui dire, lui demander. Je ne veux pas la pauvreté, je veux être riche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 107, 38. Il est béni et ils deviennent très nombreux. Et il ne diminue point leur bétail. C'est-à-dire, si Dieu te bénit aujourd'hui, il bénit ton travail, dis-toi que tu vas progresser. Tu peux commencer comme huissier. Dieu t'a béni, mais il t'a fait entrer dans ce travail, dans cette société comme huissier. Mais dis-toi, puisque tu as la bénédiction de Dieu, Dieu te fera sortir de cette société comme un PDG. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on croit? Amen. Est-ce qu'on croit? Amen. Puisque c'est lui qui donne, il donne à ceux qu'il aime. Il donne à ceux qui le cherchent. Alléluia. Quand tu cherches Dieu, tu le trouveras. Alléluia. Amen. Psaume 113, 7 à 8. Ça, nous l'avons prié pendant notre 3 jours de jeûne et prière. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Amen. Alors louez l'Éternel. Amen. Tu ne peux pas dire je loue l'Éternel. Parce que je crois fermement à Dieu. Ce que je manque aujourd'hui, ce n'est que rien. Ce n'est que un sujet de un passe-temps. Une épreuve, parce que je sais, je tiendrai ce que l'Éternel m'a promis. Alléluia. Amen. Et toi, tu seras là chaque fois, chaque jour pour dire, ô Éternel, tu m'as béni. Ô Éternel, tu m'as béni. Je te loue parce que tu es en train de traverser quelque chose, un moment difficile.
Mais c'est tout simplement le cœur. C'est tout simplement le physique. Mais je voudrais palper ta bénédiction. Amen. Alléluia. Et Dieu te fera voir ta bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 24, 25, 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Alléluia. Amen. C'est ce que je disais. Quand l'Éternel te bénit, les gens qui te voient, qu'est-ce qu'ils diront de toi? C'est un homme hein, béni. Il était petit, on l'a vu. Alléluia. Commencer en tant que vendeur de cacahuètes. Mais là maintenant, il a une usine qui fabrique du pop-corn. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la différence là? Quand vous voyez les gens qui ont tous des usines aujourd'hui, qui sont riches, milliardaires, quand vous voyez leur biographie, vous allez comprendre que non. Ils ont commencé par une petite chose. Ils ont cru en ça. Et ces gens-là, quand vous voyez ici, ce sont des gens qui priaient. Comme les McDonald's, par exemple. Ce sont des gens qui priaient. Ce sont des gens qui étaient dans la pauvreté. Ils disent, mais Dieu, donne-moi avec ça un peu. Je vais commencer à faire ceci, cela, cela. Une fois, j'ai suivi à la télé la personne qui a révolutionné les frites. Les frites, là, les frites qu'on voit aussi, les frites. Là. Il a commencé par... Seigneur. Ah, Zambé. Ah, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Ce type-là, il a commencé par récupérer les frites qui tombaient au marché et aller les traiter et aller les vendre aux soldats. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il a commencé. Il dit, mais si je fais des parts, je vais faire des parts, je vais faire des parts. Donc, un soldat peut prendre quand même une part avec les frites. Et c'est comme ça que ça a commencé, jusqu'à ce qu'on lui a donné les contrats maintenant de nourrir toute l'armée. Alléluia. Ah, ces frites-là, c'est bon. Hein, les chefs, ah, c'est bon. Mais ah, nous avons besoin. Alors, on te donne des hectares. Tu vas maintenant planter les pommes de terre afin que tu puisses nourrir l'armée. Et ce type-là est devenu aujourd'hui milliardaire. Mais c'était des gens qui ont commencé de rien. Et c'était des gens aussi qui priaient. Toi aussi, tu es aussi un enfant de Dieu. Si tu entames quelque chose, commence ça avec Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Genèse 26, 12. Isaac s'aimant dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac a semé dans ce pays. Ce n'était pas son pays. Est-ce que c'est son pays? Non. Il était dans un pays où son père était déjà passé avant. Mais lui, quand il est arrivé, il n'avait rien. Mais il a commencé à semer. Il a semé. Semer là, dans ce sens-là, c'est quoi? Est-ce que vous allez comprendre? Tout ce que Isaac avait donné aux indigents, aux pauvres. Il était là, comme il était le fils d'Abraham. Donc il avait tout. Il payait les servantes, il payait les serviteurs que son père avait laissés. Alléluia. Donc il a dépensé son argent. Il a dépensé tout ce qu'il avait. Et Dieu lui a rendu au centuple. Nous avons vu ça. Comment Isaac est devenu riche. Nous avons vu ça, non? Il fallait qu'il sorte de Canaan pour aller ailleurs, pour puiser, faire des trous de puits. Vous voyez ça, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bana béni de Bethel. Et ça, parce que c'est un nom qui est un nom qui est un. Hein? Alléluia. Amen. Genèse 26, 13. Cet homme devint riche et il alla de l'offrande et de ce qui a fait propulser Isaac pendant qu'il était le fils du roi des rois.
le fils du père de toutes les promesses. Mais lorsque Isaac a grandi, mais Isaac n'avait plus rien. Parce que on a combattu son père. Alléluia. Il avait tout ce que, presque tout perdu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé. Et Dieu lui a rendu au centuple. Alléluia. Et là, on nous dit quoi? Ce type-là commençait petit et il est devenu plus fort et riche. Alléluia. Est-ce que ça se comprend? Il y a aussi quelque chose que tu devras faire. En étant un enfant de Dieu, Dieu te bénit. Toi aussi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois aussi bénir les autres. Tu dois aussi bénir le peuple de Dieu. Tu vas bénir aussi l'Église. Alléluia. Pour que tu puisses qu'il te donne, pour qu'il te donne encore plus. Alléluia. C'est un geste que tu devras faire. Alléluia. Il nous recommande, il dit, faites des sacrifices. Faites des sacrifices. Ton sacrifice, peut-être, tu as, je sais pas, une somme d'argent et l'église a besoin de ceci, cela. Où tu rentres, Dieu te touche. Parce que la plupart du temps, ça nous arrive ici. Hein. Tu arrives à l'église, Dieu te dit, ah, je vais donner, donne l'argent, l'argent du loyer. Alléluia, donne l'argent. Pourquoi tu gardes mon argent? Mais si tu es conscient, si tu veux réussir, même si c'était vraiment ton dernier sou, donne ça. Dieu te le rendra au centime. Amen. Alléluia. Amen. Mais la plupart des temps, qu'est-ce qui nous arrive? Tu arrives, tu entends bien le message, mais tu dis, ah, bon, là maintenant, qu'est-ce que je vais manger? Si je donne ça. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Il voudrait tout simplement qu'on s'humilie. Il voudrait tout simplement qu'on soit fidèle. Il voudrait tout simplement qu'on soit obéissant. Et à ce moment-là, lui, il te donnera au centuple. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. L'Éternel te comblera de bien. Amen. Deutéronome 28, 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel agirait à tes pères de te donner. Puisque tu poursuis les choses, puisque tu fais les choses selon les indications, selon la recommandation de Dieu, Dieu te multipliera tes bénéfices. Dieu te donnera plus que même tu espères, afin que tu puisses servir aussi comme un canal d'assouvissement des pauvres. Alléluia. Amen. Il te les donne. Je donne des fois ici, pour ne pas citer, bon, je vais citer, mais c'est un homme exemplaire. Je dis, j'ai suivi une fois celui de Microsoft. Bill Gates. Je l'ai suivi. Il dit, en tout cas, je ne sais pas ce que je fais avec Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu a voulu faire avec moi. Je ne sais pas. Je n'ai pas donné tout ce que j'ai. Alléluia. Je ne l'ai pas demandé. Je ne les ai pas demandé, mais regarde combien j'ai. Vous savez combien Bill Gates donne pour les pauvres? Des milliards. Alléluia. Quand il donne des milliards, il récupère encore des milliards. Alléluia. Il y a, là, c'était l'année dernière, on a dit Microsoft, il y avait une autre marque là qui était sortie, qui commençait un peu à l'égaler, et Microsoft a fait faillite, a fait ceci, ceci. Quelques temps après, on dit, c'est époustouflant. Comment ça se fait que Microsoft est devenu encore 10 fois plus le milliardaire, parmi les premiers milliardaires du monde? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait de magie? Non! Il a fait juste quelque chose. Mais là maintenant, il a compris que tout ce que j'ai, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui me les a donnés. Et ce type-là se promène avec des baskets, jeans, il vient avec des casquettes, il va même dans des McDo, il mange comme tout le monde.
Tu peux même le croiser dans la rue. Tu vois, ces enfants ne gagnent pas des milliards, ils gagnent un salaire. Vous travaillerez comme des salariés. Alléluia. Vous voyez comment un homme pense, glorifie Dieu. Toi aussi, tu peux le faire, tu peux le devenir. Alléluia. Amen. Tu peux le devenir. Il suffit tout simplement d'écouter cette prédication des premiers jours de l'année et de t'en servir pour que tu puisses gravir les échelons dans ta vie. Alléluia. Amen. 2 Chroniques 25, verset 9. Amatia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? Alléluia. Hey, est-ce que vous comprenez ceci? Jésus-Christ, quand il est venu, il dit, je donnerai des talents à mes serviteurs. Je vous ai laissé des talents. N'est-ce pas, non? Gardez, prenez soin de ça. Profitez pendant ces temps-là, de les fructifier. Alléluia. Amen. Mais regarde là maintenant. Le type demande à son chef, j'avais 100 talents avec moi. Mais j'ai vu les soldats, ils n'avaient pas à manger. Mais je les ai sortis et j'ai acheté des choses pour eux. Qu'est-ce que je veux faire maintenant pour mon argent que j'ai donné? Je vais écouter maintenant la réponse de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez la réponse. L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Amen. Alléluia. Amen. Il ne lui dit pas que non, tu vas réclamer ça, on va te donner. Il dit non, l'Éternel peut te donner plus que cela. Donc il te dit maintenant de croire, ce que Dieu va faire pour toi viendra que de lui. Alléluia. Amen. Ne regrette pas si tu donnes, tu donnes quelque chose à un pauvre, tu fais un acte de compassion. Ne le regrette pas. Ne donne pas non plus ton offrande. Ne donne pas non plus quelque chose à Dieu avec double cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu viens, aie un cœur disposé pour donner ce que toi tu veux donner à Dieu. Amen. Parce que puisque tu le lui donnes, lui sait, il n'avait que des sous dans sa poche, mais il les a donnés. Maintenant, comment il va faire? Moi, je vais lui donner 20 euros. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, lorsque Jésus a commencé son ministère, il y avait une vieille dame, alléluia, qui est entrée aussi dans les synagogues. Et il y avait des gens qui étaient là, comme on voit aujourd'hui. Ils se mettent toujours dans les premiers rangs. Ils se font voir, bien habillés. Et quand il faut donner les offrandes, ils viennent là en nombre groupé. Ils sortent l'argent pour que tout le monde voie. Ils commencent à jeter dans le corbeil. Voilà, 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 voilà. Jésus était là en train de regarder. Et la femme, la vieille dame, n'avait que 2 sous. Ces 2 derniers 2 sous. Elle les a portés et les a donnés. Elle les a mises dans les corbeilles. Alléluia. Amen. Et Jésus a regardé. Il dit, vous voyez parmi tous ces gens-là, tous les pharisiens là, vous voyez tous ces gens-là, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour qu'on puisse voir qu'ils ont l'argent. Mais ils ne le font pas de bon cœur. Mais cette dame-là, voici ce qu'elle a fait. Elle n'avait que 2 sous. Et c'était toute sa richesse. Elle les a donnés à l'Éternel. Jésus a fini par dire, femme, sois bénie. Alléluia. Tu sur moi, c'est monté. Parce que ce n'est pas écrit. Mais regarde, sois bénie. Femme, sois bénie. C'est Amen. Tout. Des jours comme ça, où on dit, c'est le premier jour de l'année, il y a une bénédiction à l'église, profites-en d'écouter tout simplement la bénédiction. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen.
ça peut changer ta vie. Alléluia. Proverbe 8, 21. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Dieu dit, je suis là pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Si on fait une épargne, il y a 200 euros, il y a pas qu'un jour, on commande à 2 millions. Parce que Dieu a renfloué Kaka et pardonné Nayo. Parce qu'à ce moment-là, l'attitude Nayo n'est pas là. Vis-à-vis de ton attitude vis-à-vis de lui. Comment tu es en train d'aider? Comment tu es en train de participer à l'église? Comment tu es en train de te servir, de servir ton corps pour l'éternel? Alléluia. Tout cela est compensatoire. Si tu dépenses aujourd'hui 100 euros pour l'église, dis-toi. Dieu te le rendra plus que cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 14, 24. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Quand tu es insensé, vous allez voir un insensé. Si tu es insensé, si tu ne comprends rien, tu ne comprendras toujours rien. Alléluia. Mais quand Dieu te bénit, il te donne une richesse. Il te donne une couronne. Il t'élève. Alléluia. Il te donne un titre, non? Il te donne un titre. Ah, Macron Bengayo, vieux PDG. Alléluia. Oh, président. Dans les quartiers, on te surnomme. Oh, le vieux bon. Le bien, bienfaiteur. Bien, le boss. Ah, ce vieux-là parle bien. Ah, ce vieux-là, quand tu vas le voir, ah, vraiment, si tu as un problème, il règle ton problème et tout. On te donne un titre. Alléluia. C'est ce que Dieu voudrait te voir. Cette année, qu'on te donne un titre. Qu'on te donne une couronne. Alléluia. Qu'on parle de toi différemment que l'année 2015. Que cette année qu'on t'appelle, oh maman Vandou. Alléluia. Amen. Maman Vandou, aïe. La maman qui règle nos problèmes. Elle est là. Tu sers ton Dieu. Je vais vous ramener parce qu'on va finir. On arrive jusqu'au dernier verset. Mais je voudrais vous rappeler. Il y avait une dame que je cite très souvent, Tabitha. Autrement dit, Dorcas. Cette femme-là ne faisait que vêtir les veuves. Elle s'était donné un travail, un service. Moi, je vais vêtir que le veuve. Les veuves qui n'ont plus d'argent, qui n'ont plus de mari. Moi, je vais vêtir ces gens-là. Et elle achetait des tissus et faisait des robes pour ces veuves-là. Alléluia. Il arriva que Tabitha meurt. Alléluia. Il y a deux prédications dans ce que je suis en train de dire. L'autre qui parle de la considération de l'homme de Dieu et l'autre qui parle de ce que Dieu fait pour toi en le servant. Alléluia. Lorsque ta vie, ta mère, les gens, toutes les veuves là qui étaient là, disent, ah, vraiment si ta vie, comme elle est morte comme ça, mais comment nous allons faire maintenant? Comment nous allons faire? Qui va encore nous vêtir? Ah! Elles ont pleuré, pleuré, pleuré. Et Dieu envoya Pierre. De l'autre côté, comme on est à Saint-Denis, Pierre était où? Il était à Épinay. Il dit, ah! Quand Pierre est à Épinay, allez-y appeler Pierre qui vienne prier pour Tabitha. Mais elle était déjà morte. Alléluia! Pierre est venu à prier pour Tabitha. Il a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette dame-là? Voilà ce qu'elle a fait, ce qu'elle faisait. Ah, c'est vraiment une femme bien, de bon cœur. Mais elle ne mérite pas la mort. Oh, je vais prier. Et il a prié et Tabitha est ressuscité. Alléluia. Dieu aussi peut faire ressusciter tout ce qui est mort en toi. Alléluia. Pour le bienfait, pour la déclaration des autres. Non, il est bon. Non, il est bien. Ce type-là, c'est vraiment, il a un cœur. Alléluia. Dieu écoute toutes ces choses dans ces témoignages-là.
Essaie d'aller de ce côté-là. Essaie d'avoir ce témoignage. Que les gens parlent de toi que tu es bien. Ou que les gens parlent de toi. Non, tu es un méchant. Celui-là, si tu vas chez lui, celui-là, même si tu vas chez lui, il ne te donne même pas un verre d'eau. Alléluia. Et Dieu entend toutes ces choses-là. Il fait la part des choses. Alléluia. Alors nous allons terminer. Nous allons terminer en ceci. Deutéronome 8, 19 à 20. Écoutez-moi bien. De tout ce que tu as entendu, cette prédication est pour toi. Dieu voudrait, il t'a donné les moyens d'être béni. Alléluia. Amen. Il faut déjà que tu sois béni pour commencer à exercer aussi le service de Dieu. Alléluia. Amen. Il te dit ceci, je ne suis que le Dieu qui donne. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu qui donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus autrefois, on lui pose la question. Il dit, maître, tu vois ce type-là il m'a tapé. Est-ce que je peux lui rendre... Je peux juste le taper. Je lui dis non. Si tu tapes de la joue gauche, tends-lui la joue droite. Ah! Comment ça? Mais je vais mal. Elle dit non, non, non. Laisse comme ça. Elle dit mais non. Mais pourquoi les autres là? Les autres là, quand il tape l'autre, l'autre aussi... non, mais toi, tu es différent d'eux. Chez eux... C'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas de pitié chez eux. Mais toi, tu devais avoir la pitié. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que ta vie, ce n'est pas d'aller dans la méchanceté, mais ta vie doit aller dans le sens de faire toujours du bien. Et Dieu te récompensera. Alléluia. De choisir le bon côté. Le côté de Dieu, c'est de faire le bien. Le côté du malin, c'est de faire le malin ou la méchanceté. Alléluia. Amen. Dieu te demande, te recommande aujourd'hui, le 1er janvier, de changer ton attitude et de faire que le bien dure et pendant cette année. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Amen. Alors, Deutéronome 8, verset 19 à 20, Dieu te dit ceci. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Mm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez entendu, vous avez écouté, vous avez suivi cette prédication du 1er janvier 2016 de notre veillée de prière. Alléluia. Amen. Que cette prédication, que cet enseignement soit pour toi un partage de tous les jours. Amen. Tu devras t'en référer. Dire, j'ai écouté, je vais changer mon attitude, je vais maintenant servir Dieu, je vais faire de bonnes choses pour que Dieu me récompense. Je vais maintenant aller dans le sens que Dieu aime. Je vais laisser tout ce que je considère comme étant la méchanceté, comme étant mauvais. Mais je vais faire du bien pour que Dieu soit avec moi. Alléluia. Et Dieu, dans ta petite capacité, Dieu te fera lever. Alléluia. Dieu te fera, on parlera de toi, puisque tu as changé d'attitude aujourd'hui. Puisque tu t'es confié à Dieu. Puisque tu t'es donné à Dieu. Alléluia. Donc il y a des choses qui se font. Ils se font que par l'écoute. Vous conduirez les enfants. Vous rencontrerez des gens. Et il y a d'autres personnes qui vous solliciteront, qui vous diront des choses. Tu vas avoir l'argent, viens, je vais te montrer comment avoir l'argent facile.
Tu veux un travail, tu veux du travail, venez, je vais, tu vas entrer tout d'abord dans notre loge, où tu vas prier, je vais te présenter notre soi-disant maître et tout, et lui là, il a des connexions, il va te donner du travail. Alléluia. Considère aujourd'hui que Dieu te donnera tout ce que tu voudras. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne pense pas qu'il y a d'autres dieux qui peuvent te donner. Ceux-là te donnent et les récupèrent. Quand ils vont les récupérer, ils vont te donner des conditions. Mais Dieu te donne et ne te donne pas des conditions. Il te dit tout simplement, je te donne gratuitement, toi aussi tu donneras gratuitement. C'est tout. Mais de l'autre côté, tu ne vas plus dormir. Il vient dans la nuit pour te dire, tu sais, tu as dépensé 10 millions. Tu sais combien ça fait 10 millions pour avoir ça? Oh!